Yo les Eurofighters, bienvenue sur la chaîne! Rick les Fighters Tube. Les Eurofighters, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui parle bien entendu de l'Eurovision. Donc merci à toi Broly Girls d'avoir voulu participer à cette vidéo. Donc merci à toi d'être présent sur De cette rien. vidéo. Donc maintenant les Fighters, on va pouvoir commencer à parler bien entendu de l'Eurovision. Donc quand auront lieu justement cet événement de l'Eurovision? Le 14 et le 16 mai. Donc là c'est pour les demi-finales, c'est bien ça? Oui, c'est passé. D'accord. Et du coup la grande finale elle aura lieu quand alors? Le 18. Le 18, donc ça va être diffusé sur France 2 bien entendu. Alors, il y a combien de pays en fait qui vont être présents lors de cet Il y en événement? aura 42. 42, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, seront-ils tous présents? Non. Alors, quels pays ne seront pas présents et pour quel motif en fait? Alors, il y aura l'Islande, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni. Pour des raisons politiques, ils ne seront pas là. D'accord, il y a encore un pays peut-être? Et la Bulgarie. La Bulgarie, pourquoi? Pour des raisons financières. Ah, ça c'est dommage ça, parce que bon, c'est une question d'argent en fait, hein. C'est toujours une question d'argent de toute façon. Enfin bon, du coup, en tout cas, on va peut-être s'attarder un petit peu plus sur la France, puisque c'est le pays qui nous intéresse le plus, hein, bien entendu. Alors, on pourrait s'attendre peut-être à du Jul ou peut-être un rappeur qui aurait pu représenter la France pour cet événement donc de l'Eurovision, mais ce ne sera pas le cas. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y aura une émission qui va choisir qui sera le candidat qui sera représenté la France. Alors, quelle est cette émission? La Destination Eurovision. Destination Eurovision 2019, les Eurofighters. Alors, qui sera le présentateur de cette émission? Garou, comme l'année passée. Garou, waouh, ça c'est magnifique ça. J'adore ces chansons. Le sucre et le sel se mélangent seul. Enfin bref, vous n'avez pas mon temps de chanter parce que ça va être une catastrophe et vous allez partir directement de la vidéo. Enfin bon, du coup, la première émission va être diffusée quand alors? Le 12 janvier. Il se passe donc un samedi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, la seconde? Le 19. 19 janvier 2019 et la toute dernière donc le 26. Et donc le 26 on saura qui va représenter la France pour l'Eurovision. Alors il y a des petites nouveautés concernant la France à l'Eurovision 2019. Bon je vais arrêter avec ce micro en fait hein, les Eurofighters parce qu'en fait il est même pas en marche. C'était pour faire genre mais là j'en peux plus. Donc cette petite nouveauté c'est qu'en fait maintenant les Eurofighters c'est que maintenant vous pouvez voter dès la première émission, dès la première seconde de cette émission qui aura lieu donc le 12 mai 2019, donc samedi 12 mai 2019. Donc là directement vous pouvez prendre votre téléphone, envoyer des SMS, dire je veux que ce soit lui qui représente la France à l'Eurovision. Donc voilà, ça c'est tout nouveau parce qu'avant c'était directement en finale qu'on pouvait commencer à voter. Là non, ce n'est pas le cas. Alors il y a un jury bien entendu dans cette émission. Alors qui est ce jury? Dis-moi Broly Girls. Alors, si on dit pas de bêtises, il me semble qu'il y a Christophe Willem qui est toujours présent. Lui était oui, déjà oui. présent, il y a, je crois que c'était l'année dernière. Hein. Et du coup, il y a qui d'autre alors? Il y aura Vita. Vita, ah, on la connaît tous, les Eurofighters. Et qui d'autre alors? Il y a aussi donc André Manoukian. Bon, je savais pas, du coup, j'ai regardé sur ma petite feuille, hein, c'est pour ça que j'étais la tête abaissée. Du coup, voilà, mais donc du coup, nos deux anciens, c'était qui? Isabelle Boulet et Amir, ils seront pas présents alors? Non, ils seront pas présents. Ils sont pas présents. D'accord, bon, du coup, on va vous donner la liste de tous les candidats potentiels à être notre chanteur pour l'Eurovision, qui va représenter bien entendu la France lors de l'Eurovision 2019. Donc, on va commencer directement par le dernier de la liste, bien entendu. Alors, en 18e position, donc nous avons Tracy Dessa qui va chanter Port à qui? Et donc, à toi alors, Broly Girls. En 17e position, il y aura Noémie avec Ma Petite Famille. D'accord. Et donc, n'hésitez pas du coup, c'est pour ça qu'on vous donne aussi des chiffres, hein, des numéros. N'hésitez pas à vous à donner votre numéro, sur celui que le candidat que vous choisissez en fait, hein, les Eurofighters. Celui que vous dites, tiens, c'est lui qui devrait représenter la France. Donc, mettez-le en commentaire et nous, bien sûr, on va en discuter avec vous. Donc, je vais tout remettre par commentaire, comme ça sera plus simple. Vous aurez la liste complète, vous aurez juste à choisir le numéro et puis ce sera plus simple pour tout le monde. Mais sinon, dites le nom hein, si vous un peu de temps à perdre on va dire pour le dire tout simplement. Donc là on est arrivé à qui alors? À Batista Acquaviva avec Passio en 16e position. Donc en 15e position nous avons Lautner donc avec la musique j'ai pas le temps. Et donc en 15e en 14e ouais. Simone avec tous les deux. Tous les deux, c'est tous les deux un peu comme nous quoi. Donc en 13e position nous avons Doudson, donc qui va chanter Sois un bon fils. Et donc en 12e, Sylvain Areg avec le petit Nicolas. Le petit Nicolas. Et donc en 11e position, nous avons Hugo, ce qui me blesse.
Et la dixième position, Aïssat comme une grande. Aïssat comme une grande. Intéressant. En neuvième position, nous avons Gabriella. Gabriella Laberge, parce que bon, on l'avait pas sur notre feuille là. Elle s'appelle Gabriella Laberge. Et du coup, elle va chanter On cherche encore. Et donc, en huitième position, quelqu'un que l'on connaît déjà. Maestro avec le Brasier. Et oui, qui était l'un des finalistes, je crois même qu'il a gagné d'ailleurs. Incroyable talent, je ne sais plus ce qu'il fait l'année, mais il avait gagné un incroyable talent avec sa belle voix là. Et d'ailleurs, il chante aussi avec Maître Dim. Je sais plus c'est quoi le titre. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Donc là, c'était la petite pause. Donc là, on va reprendre du coup avec en septième position, Mazi, donc qui va chanter Oulala. Et donc en sixième position, alors Broly Girls, Bilal Hassani avec le titre Roi. Wow. Belle musique, hein. En cinquième position, nous avons Philippe Élise, donc qui va chanter Madame la Paix. Et donc en quatrième position, The Divas, la voix d'Aretha. Et en troisième position, une musique que j'adore, les Fighters, les Eurofighters. Donc c'est Torino qui va nous chanter ça, donc In the Shadow. Donc dans l'obscurité, dans l'ombre. Donc voilà, en deuxième position, Chimène Badi avec la musique Là-haut. Ah, Chimène Badi, c'est une chanteuse que tu adores, Broly Girl, c'est ça. Et donc en première position, nous avons Emmanuel Moir, donc qui va chanter La Promesse. Donc là, voilà, c'était pas un classement officiel, hein, c'était vraiment pour vous donner la liste complète des chanteurs qui vont être présents lors de cette émission Destination Eurovision. Donc nous, on va vous donner maintenant nos pronostics, ceux qu'on aimerait qui représentent la France. Donc je vais commencer, Broly Girl, si ça t'embête pas, bien vas-y, entendu. Vas-y. Alors, en troisième position, j'ai décidé de choisir Aïssat avec Comme une grande. J'aime bien sa musique, j'aime bien. Elle est franchement pas mal, et puis même la chanteuse, je la trouve plutôt séduisante. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Et du coup, toi, tu as choisi qui alors en troisième position, Broly Girl? Moi, en troisième position, j'ai choisi Chimène Badi avec Là-haut. Là-haut, bah oui, en plus c'est Chimène Badi, ouais, tu l'adores, voilà, c'est une chanteuse que tu écoutes quasiment tous les jours dans ta voiture, c'est ça? Oui, j'aime bien sa chanson Je viens du Sud. Je viens du Sud. Enfin bon. Et du coup, bah en deuxième position, bah on va vous donner notre deuxième position, donc là je vais te laisser commencer, tiens. En deuxième position, j'ai choisi Bilal Hassani avec Roi. Ah, franchement, il a une belle voix, hein, Bilal Hassani. Ouais. En plus, franchement, j'ai vu un peu ses photos, tout ça. Il met des perruques à tout voix. Il est un petit peu. Il est un petit peu original, ce chanteur, j'adore. Ça me fait penser à Conchita, un petit peu, qui est venu dans l'Eurovision, je sais plus c'était quelle année, hein, peut-être 2015, 2016. Enfin, peu importe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, les Eurofighters. Et du coup, moi, en tout cas, en deuxième position, j'ai choisi. Et oui, vous allez j'en surprendre plus d'un, je pense. Emmanuel Moir, hein, avec La Promesse. Hein. Et oui, parce que bon, j'aime bien le chanteur. Déjà, il chantait une ligne ou un truc comme ça. Et j'adorais cette musique. Donc, je l'ai mis en deuxième parce que voilà, j'adore cette musique. La Promesse, elle est pas mal. Et c'est une belle musique. Voilà. En première position, et là, on est tous les deux d'accord, moi et Broly Girls. Et oui, attention, on va faire durer le système. Attention, mets les bas, voilà. Voilà, donc en première position, vas-y, je te laisse le dire. On a choisi Girls. Florina avec In The Shadow. In The Shadow. Ah, franchement, elle est bien cette musique, j'adore. Ouais. J'adore, mais vraiment. Alors, on va en profiter peut-être pour vous donner, voilà, on a eu quelques petites statistiques en même temps. Donc, comme ça, vous allez savoir qui est selon les statistiques, hein, bien entendu. Qui est le plus vu sur YouTube, qui est celui qui peut logiquement gagner. Donc voilà. Alors sachez une petite chose qu'on n'a peut-être pas dit, mais c'est que l'an dernier, donc celle qui a gagné plutôt, c'est Neta Barzilai, qui a gagné donc le 12 mai 2018 lors de l'Eurovision 2018 avec la musique Toy. Donc elle évoque dans sa musique le mouvement MeToo, hashtag MeToo, et le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Voilà, c'est bien ça, Broly Girl? Oui, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire encore? Alors, donc là, on va directement passer directement aux statistiques, hein, qui sont pas présents d'ailleurs sur cette feuille, apparemment. Donc, apparemment, là, on vous donne vraiment les trois meilleurs. Hein. Donc, on va commencer par le plus mauvais, entre guillemets. Donc, c'est Florina. Malheureusement. Donc, malheureusement, Florina, qui était notre première et meilleure candidate. Elle a 48 000 vues sur YouTube. Seulement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas énorme, 48 000 vues. Oui. Et du coup, en deuxième position, ça devrait être satisfaire, Broly Girls. Chimène Badi. Chimène Badi avec 55 000 vues. Et là, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et là, je sens qu'il va gagner du coup. Hein. Là, c'est sûr et certain, je le sens bien. En première position, nous avons qui? Bilal. Bilal, donc c'est pas une grande surprise pour toi, toi qui avais mis en deuxième position, me semble-t-il, Bilal. Donc Bilal, donc 830 000 vues. C'est énorme. Incroyable par rapport à Chimène Badi et Florina. Alors là, franchement, je suis sur le cul.
C'est incroyable. Alors, les Eurofighters, oubliez pas de dire vraiment qui vous pensez qui va gagner, qui va être présenté, qui va présenter l'Eurovision de 2019, bien entendu. Donc choisissez le numéro entre 1 et 18. Et voilà, donc nous on a fait notre choix. Vous aussi faites votre choix. Et donc les Eurofighters, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, on se retrouvera peut-être pour un live. Peut-être, je dis bien, je sais pas si toi Broly Girl tu seras là, mais on se retrouve peut-être pour un live concernant bien sûr Destination Eurovision. Donc peut-être que je vais faire directement la finale hein, pour la Destination Eurovision, mais sinon on se retrouve dans tous les cas pour l'Eurovision, ça c'est sûr et certain, les Eurofighters. Donc les Eurofighters, moi je vous laisse une grosse boule, et dont certains connaissent le nom. Allez, à bientôt les Eurofighters, et attention, paix sur vous, et bonne année à tous.